Donc voilà, je suis devant la porte de chez le voilà, de chez celui qui m'a hébergé. Ah, c'est vous, entrez, monsieur. Ah, voilà. Merci, merci. Donc voilà, je suis chez lui. Donc je dors, je passe une nuit chez lui. Donc là, il fait encore nuit, voilà. Donc il y a toujours du monde dehors. Mais en tout cas, moi, je vais dormir. Et demain matin, je vais à la tour prismatique. Bien quand il n'y a personne, je vais me réveiller tôt exprès. Je pense dans les 5 ou 6 heures du matin, je suis fou, sérieux. Je me réveille, voilà, à Illumis, à 5 heures du matin. Donc, à demain, les amis. Je passe une bonne nuit, je vais au lit. Donc, ciao. Eh ben non, les amis, j'étais un peu trop KO. Regardez, il est 7 ou 8 heures environ. Ouais, 7h45. Ouais, bon, pas grave. Mais bon, je suis là. Et voilà, enfin, Nobby et Flambuzard sont dans leur Pokéball. Voilà, tranquillement. J'ai décidé de les ranger, enfin, de les... Voilà. Mais bon, go, sortez. Donc voilà, Flambuzard et Finobi sont dehors. Donc c'est parti, voilà, moi je vais aller dehors. Et voilà, il dort encore. Il dort encore, celui qui m'a hébergé. Donc je vais aller dehors tout de suite. Et je vais lui dire merci. Oh, il se réveille, il est là. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc voilà, super, je suis là. Donc merci beaucoup de m'avoir hébergé. Aujourd'hui je retourne dans ma chambre, enfin je retourne chez moi à la maison. Ok. Voilà, parce que voilà, je viens pas d'ici, je viens pas du jeu Pokémon X. Donc voilà, je retourne dans la tour prismatique. Donc monsieur, à bientôt, à une prochaine fois. Donc voilà, merci encore. Au plaisir, jeune homme. Donc voilà, je vais devant la tour prismatique. Donc à tout de suite, je relume qu'on est devant. Ciao. Donc voilà, nous voici devant un tour prismatique, pardon. Oh, regardez, il y a des tropus qui volent juste en haut. Et voilà, regardez ça. Mais oh, regardez Skavan, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il envoie des roches sur le tropus et il a esquivé. Oh, c'est pas gentil ce que tu fais là. Mais bon, ce Skavan, il est pas à moi, je sais pas s'il est sauvage. J'espère que oui, parce que s'il est à quelqu'un, ben... J'ose pas avoir la tête du dresseur, mais bon... Ils s'en vont. Les tropus s'en vont, donc heureusement, ça y est, vous êtes sauvés. Donc on va rentrer dedans tout de suite, on va voir Lem et Clem en solo, donc à tout de suite. Oh, ça alors, ils sont là, ils sont en bas. Oh ben super, super, super. Donc voici Lem et Clem, ils sont déjà en bas. Bonjour, vous avez passé une bonne nuit? Oui, merci, et vous avez passé une bonne nuit? Oui, oui, moi aussi, j'ai passé une bonne nuit. Oui, quelqu'un m'a hébergé. Donc voilà, on est là devant la tour prismatique avec Flambuzard et puis Amphinobi. Donc voilà. Donc vous acceptez un défi, un Pokémon. Ok, avec grand plaisir. Il accepte un défi, un Pokémon. Donc regardez ça, voilà. Donc Lem, on va se battre ici, ok. Donc Amphinobi, go. Donc c'est parti. Oh, il envoie Luxray, c'est pas vrai. Oh, il envoie Luxray. Ah là là. Un Pokémon électrique, hein. Ok. Donc de toute façon, Luxray, il peut battre les deux. Il peut battre Amphinobi et puis Flambuzard. Donc voilà, on commence. Je fais l'arbitre. Oh, Clem, c'est l'arbitre. Ok, oh, super. Regardez là avec son petit Eden. Bon, commencez. C'est parti, le combat démarre. Donc Amphinobi envoie Surf. Luxray, est-ce qu'il fait Météor? Oh, c'est pas vrai, il fait Météor. Oh là là, est-ce qu'Amphinobi saute? Voilà, super. Donc voilà, Amphinobi, on démarre pas avec Hydroblast. On va faire un magnifique tranche nuit. C'est parti. Luxray, honte de choc. Luxray. Oh là là, Luxray, il fait honte de choc. Vite, vite, esquive. Luxray. Ah, il s'est fait un peu toucher, mais bon, ok. Allez, Amphinobi, reviens vers moi. Voilà, cool. Oh là là. Donc c'est parti. Hydroblast, go. Lance-croix éclair. Oh là, il fait. Oh là là, il fait croix éclair. Attention. Non, pas ça. Luxray. Relève-toi, Amphinobi, relève-toi. Il termine avec Météor. Ah non, il va faire Météor, c'est pas vrai. Il va faire Météor, relève-toi vite, saute. Saute et Hydroblast, go. Oui, il est KO. Luxray, reviens. Oh là, je l'ai rebattu. Oh, super. Terminé, bravo. Oh là là, donc Lem, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce combat. Amphinobi, il est très très fort, il est au niveau 100, les amis, donc voilà. Dans le jeu, il est au niveau 100. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut dans la réalité, mais en tout cas, il est au niveau 100. Donc il est bien entraîné, tout comme Zygarde, tout comme Dialga, mais bon, je vais pas dire ces noms de Pokémon bien ici. Voilà, parce que Zygarde, c'est légendaire. Bon, Amphinobi a gagné.
Donc, merci Lem et Clem pour votre participation. Clem en tant qu'arbitre, bon. Donc voilà. J'ai eu l'occasion d'affronter Lem. Donc voilà. A plus dans la prochaine vidéo. Donc voilà, le sol est étanche. Il est. Voilà. Donc rien d'électrique n'est touché. Donc à plus dans la prochaine vidéo. Merci Lem, merci Clem, merci champion d'Illumis. Donc j'ai eu l'occasion d'affronter, je suis dans la tour prismatique. Donc on va sortir dehors et je vais rentrer chez moi. Merci encore, à bientôt. Ah, c'était trop bien. Nous voici à la maison, je suis avec Flambuzard en Finobi. Donc voilà. Oh, qu'est-ce que tu tiens dans le bec, Flambuzard? Oh, c'est pas vrai. Oh là là, c'est qui t'a donné ça? Regardez ça. Le badge tension de Lem. C'est qui t'a donné ça? C'est Clem qui te l'a donné. Donc voilà, j'ai le badge tension, j'ai gagné une deuxième fois contre lui, parce que dans le jeu, les champions d'arène, on peut les affronter qu'une seule fois, donc moi j'ai eu l'occasion d'affronter Lem encore une fois, et en vrai. Donc Amphinobi contre Luxray, Amphinobi a gagné avec son magnifique hydroblast, donc bravo Amphinobi. Donc voilà. A plus dans la prochaine vidéo, on se dit ciao. Donc voilà, ainsi s'achève la vidéo d'Illumis, regardez la machine, c'est elle qui m'envoie dans Pokémon X. Donc, la prochaine fois, sauf si vous avez une autre idée, mais en tout cas, dès que j'ai 200 abonnés, je vais à la Ligue Pokémon, dès que j'ai 200 abonnés, les amis. Donc voilà, Amphinobi, Flambuzard, va falloir bien se préparer, donc voilà. De toute façon, Flambuzard a pris une nouvelle attaque. Je lui ai appris une nouvelle attaque dans le jeu Pokémon X qui est demi-tour, une attaque de type insecte. Donc voilà, un Pokémon feu-vol qui est une attaque insecte. Donc voilà, c'est un peu l'impossible, mais demi-tour, c'est insecte. Et c'est très bizarre, je sais pas pourquoi demi-tour c'est insecte, mais en tout cas, Flambuzard peut l'apprendre pour de vrai dans le jeu Pokémon X. Donc voilà, à plus dans la prochaine vidéo, et dès que j'ai 200 abonnés, c'est la Ligue Pokémon, j'y vais, sauf si vous changez d'avis. Donc voilà, la Ligue Pokémon X, voilà. Donc je me téléporterai direct devant, je vais pas faire la route victoire parce que la flemme, voilà, donc je vais y aller. Donc à plus dans la prochaine vidéo, ciao, à bientôt. Voilà, Amphinobi, Flambuzard, ciao.